Traité de Michetot par Victoria, Niccolò Clage son tour, tu es une clocharde. En couple depuis la nouvelle télé-réalité de W9 Les 50, tournée il y a 6 mois. Niccolò et Victoria viennent brutalement de se séparer. Faux amoureux dans le cross. Le couple a, par la suite, participé en tant que binôme dans la 6e saison des Apprentis Aventuriers prochainement diffusée sur la chaîne. Seulement voilà, depuis qu'ils sont rentrés des Philippines, c'est la guerre. Les deux ex, à présent séparés, ne cessent de se balancer des reproches via stories interposées. Pensant qu'elle était célibataire, Victoria a vivement provoqué Niccolò en embrassant son ex Bastos lors d'une soirée. Ne sachant pas que la photo allait fuiter sur les réseaux, Victoria s'est alors défendue en confiant qu'elle et Bastien avaient trop bu et qu'ils ne s'étaient pas remis en couple. Problème, le bel Italien n'avait pas l'air de savoir que c'était bel et bien fini avec la jolie blonde. Déçu de son attitude, Niccolò, les larmes aux yeux, a accusé Victoria de s'être servie de lui pour faire des tournages et pour son business. Par la suite, Victoria a répondu et a expliqué les raisons de sa rupture avec Niccolò. Pour la candidate de télé-réalité, son chéri, qui restait à squatter chez elle et qui dévalorisait son travail, l'oppressait. En entendant cela, Niccolò s'est exprimé une dernière fois. Furieux, il balance sur son ex-petite amie, elle m'accuse de l'avoir michetonné. Alors que c'est faux. Elle n'a jamais bougé ses fesses à 1000 ans. Comment on allait vivre notre couple? Comme j'étais chez elle. J'ai tout payé, les restaurants, les cigarettes, les courses, les boîtes de nuit. Je payais tout et je peux publier mes relevés bancaires. Guillaumet. Je lui ai proposé de prendre un appartement et de partager la location, elle n'a pas voulu. Moi, je vivais dans une valise chez elle. Tous ses ex, ce sont des pervers narcissiques et des michetots qui ne payaient rien. Elle me disait que Bastos ne payait rien. Qu'il ne sortait jamais sa carte, c'est toi la grosse clocharde. Tu es moisi de l'intérieur. Tu n'as pas d'âme. Tu me dégoûtes. Data frame from an script div no script. En découvrant que Niccolò avait balancé qu'il était radin, Bastos a voulu piquer une nouvelle fois son rival. Le youtubeur a publié sur son feed Instagram la photo volée où il a embrassé Victoria. Il légende, un look efficace sur le terrain. Une provocation qui n'a pas forcément plu aux internautes.